la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Saint Antoine, le saint que tout le monde aime, le saint qui depuis des siècles et sur tous les continents fait courir tout le monde. Tout le monde a confiance en lui. C'est étonnant. Mais que venons-nous chercher auprès de Saint Antoine ? Nous avons beaucoup de souffrances. Quel est celui ou celle parmi nous ce soir, pour ne prendre que notre petite assemblée, qui est plus nombreuse que ceux qui sont dans cette chapelle, parce qu'il y a tous ceux qui nous écoutent par la radio. Quel est celui, celle d'entre nous ce soir, qui est là, sans avoir sur son cœur une souffrance, une peine, une difficulté qui fait que le vrai bonheur, la joie n'est pas au rendez-vous. Et peut-être même pour certains que le bonheur et la joie ne seront peut-être plus au rendez-vous avant le passage, avant le grand passage. Parce qu'il y a des épreuves qui durent toute une vie, parce qu'il y a des handicaps ou des croix qu'il faut porter jusqu'à la fin de ses jours. Qui d'entre nous n'a pas un quelque chose de cet ordre-là, plus ou moins important ? Et voilà pourquoi nous allons trouver Saint Antoine. Parce que cet homme, ce fils de Saint François, a rayonné une bonté extraordinaire. Il a fait du bien à tous ceux qui souffraient. Il a délivré, comme on aime le chanter dans le Sic Eris, il a délivré du mal sous des formes bien différentes, tant et tant de personnes. Le mal le plus grave étant le péché, parce que le péché, qui est le contraire de l'amour, nous empêche d'être heureux. Or Antoine, on l'a appelé l'évangile de la miséricorde. Il a rayonné la bonté de Dieu, la joie de Dieu. Il y a dans ses sermons une parole extraordinaire où il s'émerveille devant le don que Dieu nous fait de lui-même en Jésus-Christ. Dieu qui se fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Et ça change tout dans l'histoire des hommes. Parce que Antoine nous dit que si l'homme avait été laissé tout seul, si Dieu ne l'avait pas visité jusque-là, il serait parti, dit Antoine, comme une roue abandonnée sur une pente qui va à sa perte. Mais non, Dieu s'est fait l'un de nous pour nous dire qu'il nous aime et pas nous le dire du haut du ciel, d'une manière arrogante, pas nous le dire même pas à côté de nous comme le meilleur de nos amis qui se presse pour nous aider.
mais nous le dire comme il l'a dit à la Vierge Marie la première, de l'intérieur au plus intime de nous-mêmes. Parce qu'il s'est fait l'un de nous, il vient habiter en nous. Alors Antoine nous dit dans ce très beau sermon, c'est la joie. La joie, le vrai bonheur, il est là. Dieu est venu nous apporter la joie. Les autres joies ne sont pas sans importance, mais elles n'ont pas le même poids. Ou plus exactement, elles vont être d'autant plus belles que la joie de Dieu, Dieu avec nous, Dieu en nous, sera là. Alors Antoine dit dans ce sermon, « Toi qui es poussière », alors il s'adresse à vous et à moi, « Nous qui sommes poussière et qui allons retourner à la poussière, relève-toi, regarde, la joie t'est donnée. » Et Antoine a ainsi vécu une courte vie, mais une vie très remplie, où il a annoncé par sa parole, d'où ce miracle étonnant, on a gardé, sa langue ne s'est pas détruite après la mort. Oui. À la parole, il a annoncé cette joie, mais aussi par des gestes, des signes, des miracles, qui sont autant de témoignages de la bonté de Dieu, de la tendresse de Dieu, du fait que Dieu veut et nous apporte de fait la joie. Voilà pourquoi nous sommes là, pourquoi saint Antoine est toujours si proche de nous. Alors nous allons lui demander, pendant cette trézaine, de continuer de faire des merveilles pour nous. Nous pouvons le prier en toute confiance. Mais la plus grande merveille qu'un saint Antoine fait et peut faire pour nous, c'est, comme y ont invité les frères capucins de cette belle et bonne communauté de Bastia, c'est de découvrir qu'il est pour nous un maître en vie spirituelle. Cela veut dire que pour découvrir cette joie, Antoine est comme un bon pédagogue, un bon professeur, un bon instituteur, un bon enseignant, vous prenez tous les mots que vous voulez. Quelqu'un qui sait vous conduire par sa parole, par ses gestes, là où il faut être conduit pour être vraiment homme, pour être vraiment dans la joie. Un maître en vie spirituelle, quelqu'un qui sait vous enseigner. Or, souvent, une des choses que nous avons perdues et que nous devrions demander à saint Antoine, nous avons perdu la route du vrai bonheur. Comme a dit un jour le curé d'Ars, lorsqu'il est arrivé à Ars pour prendre en charge sa paroisse qui vivait loin de Dieu, un petit garçon qui lui a montré la route d'Ars, il lui a dit, Monsieur l'abbé, c'est par là-bas, vous prenez le chemin. Voilà, il a dû lui dire quelque chose comme ça. Et le bon curé d'Ars de lui dire, tu m'as montré la route d'Ars, je te montrerai la route du ciel. Voilà. Antoine, c'est celui qui nous montre la route du ciel. Alors ce soir, en lisant cet évangile d'aujourd'hui, de la visitation, j'ai demandé à saint Antoine, dans ma prière, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux nous apprendre, Antoine, ce soir? Qu'est-ce que nous avons perdu sur la route du bonheur? Et que tu vas nous apprendre, Antoine. Alors, je crois qu'il m'a répondu, mais gros bêta, lis donc l'évangile. Ah bon, alors j'ai lu l'évangile du jour. Lis l'évangile. Qu'est-ce qu'il y a dans l'évangile aujourd'hui? Oh, beaucoup de choses. C'est un évangile tellement riche. Je retiens une chose. Une chose qu'Antoine nous apprend par sa vie avant de nous l'apprendre par sa parole. Le silence. Le silence. Oui, vous avez entendu et vous connaissez bien ce texte de la Visitation, cette belle rencontre de la Visitation. La Vierge Marie, cette toute jeune fille de Nazareth, vient d'entendre toute seule, chez elle, personne n'est témoin à ce moment-là. Elle vient de recevoir l'ange Gabriel, elle vient d'entendre
la bonne nouvelle, l'annonce que Dieu lui fait qu'elle va être mère du Messie. Personne n'est au courant. Dans les journaux du temps, pas de photographe, pas de journaliste, personne ne va en parler. Et la Vierge Marie n'en parle à personne. Et je crois personnellement, avec beaucoup d'autres, qu'elle n'en a même pas parlé à Saint Joseph. Non pas parce qu'elle doutait de lui, c'est parce que pour l'instant, c'était dans le secret de sa vie, dans le silence. Les secrets d'amour, les vraies paroles d'amour, c'est toujours dans la discrétion, dans l'intimité, dans le silence. Marie, elle est toute remplie de cette parole, et Saint Luc nous dit dans l'Évangile qu'elle en est bouleversée. Il y a de quoi. C'est Dieu, tout Dieu en elle, être mère du Messie, par la vertu de l'Esprit Saint. Alors Marie, elle va trouver sa cousine Élisabeth, parce que dans la parole de l'ange, elle a entendu que sa cousine était enceinte. Avec cette parole que l'ange lui disait, rien n'est impossible à Dieu. Ta cousine qui ne pouvait pas enfanter, voilà qu'elle enfante. Toi qui es vierge, toi aussi tu vas enfanter, tu demeureras vierge. Rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie va visiter sa cousine Élisabeth. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour elle? C'est pas d'abord un service qu'elle va lui rendre, même si entre femmes on va s'entraider pour la naissance du petit, Élisabeth en est à son 6e mois. C'est d'abord le signe que Dieu lui a donné. Rien n'est impossible à Dieu. Va voir ta cousine Élisabeth, tu verras. Elle qui ne pouvait plus enfanter, voilà qu'elle va enfanter. Marie, il ne faut pas s'imaginer que pour Marie, c'était plus facile parce qu'elle avait vu et elle avait entendu l'ange. Elle a cru, Marie, heureuse, toi qui as cru. Il a fallu qu'elle vive, Marie, le combat de la foi. Et qu'elle a cheminé, qu'elle a marché dans la foi. Alors Marie part visiter sa cousine pour voir le signe. Non pas parce qu'elle doute, mais comme vous et moi, Dieu nous dit quelque chose dans notre cœur, Dieu nous invite à quelque chose, nous avons besoin de signes. Dans l'amour, il y a toujours des signes. Les signes ne sont pas les preuves. Mais voilà. Alors Marie part, mais elle part en hâte, nous dit l'Évangile, rapidement. Elle a un tellement grand bonheur dans son cœur. Elle est tellement heureuse. Et en même temps, dans la foi, elle marche. Qui est cet enfant? Quelle est cette parole que l'ange m'a donnée? Elle va voir le signe. Mais elle arrive chez Élisabeth en silence. Elle ne commence pas par raconter la scène de l'Annonciation. Elle ne commence pas par faire un sermon, une homélie ou une leçon de morale. Rien du tout. J'imagine, l'Évangile ne nous dit rien. Elle salue sa cousine Élisabeth. Donc, l'Évangile nous dit cela, c'est tout. Elle salue sa cousine Élisabeth. Je pense qu'elle a dû dire, comme on se salue au Moyen-Orient, et dans le peuple juif, elle a dû dire un beau « shalom », la paix. La paix du cœur, la paix du corps, « shalom ». Et voilà qu'Élisabeth, qui entend cette seule parole de salutation, va tout d'un coup crier sa joie, d'une voix forte, nous dit l'Évangile, crier sa joie pour dire « tu vois, heureuse, comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Parce que tu vois, dès que tes paroles ont touché mes oreilles, c'est le petit dans mon sein qui a tressailli d'allégresse. Voilà Élisabeth. Mais dans cette histoire, il y a deux silencieux. Deux grands silencieux qui sont tout petits. Il y a d'abord Jésus dans le sein de Marie, qui en est qu'au tout début, alors ça ne se voit même pas. Élisabeth, où est-ce qu'elle a appris que Marie était enceinte? Ça ne se voit pas et Marie ne dit rien. Marie, c'est au moment de l'Annonciation qu'elle est partie. Ça ne se voit pas. Silence. Jésus, tout petit, quelques cellules, à peine formées dans le sein de Marie, invisible à tout le monde, sinon aux yeux de la foi de Marie qui croit. C'est Jésus, c'est tout Dieu, c'est Dieu qui rayonne déjà de l'intérieur de Marie, mais qui rayonne dans le silence. Et puis voilà, Jean-Baptiste, il en est à son 6e mois. Lui, il est déjà un peu plus formé, hein,
Aujourd'hui, on sait qu'avec les échographies, on le verrait avec ses yeux, ses mains, ses membres. Et lui, il ne dit rien non plus, mais il tressaille d'allégresse. Voilà un dialogue en silence de deux petits enfants dans le silence de deux mamans qui les portent depuis déjà des mois pour Élisabeth, depuis à peine quelques jours pour Marie. Et tout est dit. Et Marie est toute bouleversée de ce que lui dit Élisabeth, comme Élisabeth est toute bouleversée de cette rencontre et de ce tressaillement de joie de son petit dans son sein. Et voilà que ces femmes, ces deux jeunes mamans, enfin, cette ancienne et puis cette jeune maman, elles vont échanger des paroles étonnantes. Mais tout ça s'est fait dans le silence, dans le grand silence de ces enfants. Saint Antoine, pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce que Saint Antoine le premier, comme tous les grands saints, tous les grands mystiques, tous les grands spirituels, tous ceux qui ont découvert Dieu, tous ceux qui ont découvert les secrets de l'amour véritable, Saint Antoine a compris que le silence était très important, qu'il était même essentiel pour entendre la parole de Dieu. Pour l'entendre, pour l'écouter, pour qu'elle résonne de l'intérieur, cette parole que Marie a dans tout son corps. Antoine est rentré très tôt chez les chanoines de Saint-Augustin, à Lisbonne, au Portugal. Et très tôt, il s'est mis à l'école, il a travaillé, il a beaucoup étudié, mais dans le silence. Pendant 8 années, il va vivre en silence parmi ses frères, des chanoines, étudier à partir des Saintes Écritures. Il apprend à lire, à écrire, il apprend toutes les sciences. Mais c'est une école de silence. Et justement parce qu'il cherche le silence, il trouve qu'il n'y en a pas assez là où il est, à Lisbonne. Pourquoi? Parce qu'il a tellement d'amis qu'on lui court après. Il a une bonne famille qui lui court après. Alors il demande à ses supérieurs de partir un peu plus loin pour qu'on ne le rejoigne pas. Il s'en va un peu plus loin, loin de sa famille, loin de ses amis, non pas parce qu'il ne les aime pas, pour plus de silence, pour que la parole de Dieu puisse mieux résonner dans son cœur. Et puis voilà que, bouleversé par la venue des premiers fils de Saint François au Portugal, par l'arrivée des reliques des martyrs, il veut perdre sa vie. Il veut donner sa vie à Jésus, à ce Jésus qu'il aime et qu'il contemple dans les Écritures depuis si longtemps, dans le silence de ses études, de sa prière. Alors il part avec les fils de Saint François, il part au Maroc, il veut être martyr, mais voilà qu'il se retrouve en Italie, chez les frères, parmi les frères. Et là encore, il se tait, il fait silence, il ne va pas dire à François d'Assise qui est là, à ses premiers frères, « Regardez comme je sais prêcher, regardez comme je sais étudier, comme je suis intelligent. » Il dit rien. Il dit surtout à son frère Philippe qui l'accompagne, « Surtout, tu ne dis rien de ce que je suis et de ce que je peux faire. » Et au point que les frères ne le remarquent pas et qu'il va terminer cette grande rencontre des premiers frères pour partir dans un ermitage, dans le silence. Et là, il va servir humblement dans le silence, continuant de méditer la parole. Ce n'est qu'à l'occasion d'une prédication, lors d'une ordination sacerdotale dans un village voisin, que le provincial va demander à frère Antoine de prêcher. Et quand tout le monde verra comment il prêche bien, on lui donnera l'office de la prédication. Mais voilà de longues années qu'Antoine a passé dans une vie cachée, dans une vie silencieuse, dans une vie pleine d'amour. Alors, frères et sœurs, il n'y a pas de secret, ou du moins c'est le secret d'Antoine, c'est un des secrets d'Antoine. Antoine est devenu tellement plein de la parole de Dieu et de Jésus-Christ. Il ne l'est devenu que parce qu'il a fait silence, parce qu'il a laissé la parole de Dieu agir dans le silence de son cœur, de son intelligence, de son corps. Alors après, il a pu le donner. Si nous voulons, nous aussi, connaître la route du bonheur, demandons à Saint Antoine
la route du vrai bonheur de l'Évangile. Demandons à saint Antoine de retrouver la grâce du silence. Et je vous indiquerai volontiers presque deux exercices pratiques. Vous savez que c'est un enseignement de toute l'Église, de tout temps, de toutes les communautés. Exercice que Antoine a pratiqué. Il faut d'abord, si nous voulons vivre le silence, redécouvrir le silence, c'est un don de Dieu, mais pour le recevoir, j'allais dire, si vous me permettez l'expression, il faut fabriquer du silence. Si on ne sait pas se taire dans notre vie, si on ne sait pas créer des zones de silence, si on ne sait pas fermer la télévision de temps en temps, si on ne sait pas fermer Internet de temps en temps, parce qu'Internet, ça peut vous prendre la tête, c'est remarquable, hein, je l'utilise comme vous. Mais voilà, il faut fermer de temps en temps. Si je ne sais pas préparer la liturgie du dimanche dans un temps de prière, dans un temps de silence, si je ne sais pas me taire quand j'arrive à l'église, si je suis toujours en train de parler, comment voulez-vous que Dieu me parle ? Je vais bien entendre des paroles d'évangile, mais ça rentrera par une oreille, ça sortira par l'autre. Ça ne me travaillera pas. Faire silence. De temps en temps, on va prendre des bains de soleil, c'est très, très important, c'est excellent à la santé. Et je pense qu'avec Antoine, qui en a fait pendant des années, il faudrait prendre des bains de silence, des retraites, des moments de silence, uniquement avec la parole de Dieu. Voilà. Fabriquer du silence, faire du silence entre nous. Puis la deuxième chose qui va avec, parce que souvent dans les confessions, on entend « Oh mon père, j'ai plein de distractions ». Mais ça, ça n'a rien d'étonnant. Nous sommes tous pleins de distractions de tout ce qui nous habite. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que j'en fais de mes distractions. Et pour que mes distractions ne me gênent pas dans la prière, pour que mes distractions ne me prennent pas trop la tête et finissent par se taire pour que la parole de Dieu soit la plus forte, il faut que je veuille faire une chose, une, pas 36, une. Si j'ai la volonté de faire cette chose-là, alors mes distractions finiront par partir. La Bible dit « Incline ton cœur vers Dieu ». Voyez, incliner son cœur vers Dieu, cela veut dire quitter cette attitude orgueilleuse de petit patron qui fait que je veux toujours discuter, toujours avoir raison avec Dieu, que je suis toujours en train de me bagarrer avec mes souffrances, avec mes maladies, avec tout ce qui ne va pas dans ma vie. Voyez, Antoine, il a eu aussi des difficultés. Ce n'était pas un saint tout fait. Mais il a incliné son cœur vers Dieu. Il a dit, « Seigneur, je rends les armes. Je te laisse me parler. Je te laisse m'éclairer sur toutes mes souffrances et mes difficultés. Je te donne les clés de ma maison. Voilà. Je fais descendre mon intelligence au fond de mon cœur, parce qu'on aime autant avec son intelligence qu'avec son cœur, mais on aime d'abord avec son cœur. » On fait descendre son intelligence dans son cœur. Alors si je persévère, comme Antoine a persévéré, dans le silence, écartant ce qui fait trop de bruit dans ma vie de temps en temps, et si je persévère comme Antoine, en inclinant mon cœur vers Dieu, en laissant Dieu me parler, allez, je sais bien, j'ai des souffrances qui me prennent la tête, voire le corps tout le temps. Mais Seigneur, tu es là. J'ai rencontré ici en Corse, des paroissiens, et je pense à une en particulier, qui est morte le jour de la Saint-Antoine, pas loin d'ici, qui m'ont bouleversé. Sur leur lit de malade, sur leur lit de souffrance, je pense à elle, elle était en paix, parce que c'était une femme qui savait incliner son cœur vers Dieu depuis longtemps, qui savait faire silence, et qui avait dans son cœur un bonheur si puissant, une paix si puissante par rapport au cancer qui l'emmenait vers Dieu. Avec Antoine, demandons cette grâce, avec Marie, avec Élisabeth, demandons cette grâce de retrouver le silence et cultivons-le, et la parole de Dieu fera toutes les merveilles dans nos vies qu'elle a fait dans la vie de saint Antoine. Quae dies mirat
feu.